Sur le plateau de TPMP Peuple, d'autres révélations ont été faites sur la rupture de Guillaume Canet et Marion Cotillard, que le magazine Public vous avait annoncé en exclusivité, en février dernier. Souvenez-vous, vendredi 18 février, dans notre magazine, nous vous annoncions la séparation de Guillaume Canet et Marion Cotillard. Près d'un mois plus tard, de nouvelles révélations ont été faites concernant la rupture d'un des couples les plus glamour du cinéma français. Souvenez-vous, vendredi 18 février, dans notre magazine, nous vous annoncions la séparation de Guillaume Canet et Marion Cotillard. Près d'un mois plus tard, de nouvelles révélations ont été faites concernant la rupture d'un des couples les plus glamour du cinéma français. Par exemple, sur le plateau de TPMP Peuple animé par Mathieu Delormeau samedi 26 mars sur C8. L'été dernier, ils étaient au Cap Ferret, à se faire des petits bisous dans l'eau, tout allait très bien. En tout cas, sur le papier, a commencé le journaliste Florian Anselme. Aujourd'hui, Marion Cotillard serait donc partie, elle habiterait chez une amie, lui serait resté dans leur bel appartement de l'Ouest parisien. C'est une belle histoire qui prend fin. Cette année, ça aurait fait 20 ans, leur amour serait né sur le tournage de jeux d'enfants sorti en 2002 et disponible sur Disney+, NDLR. Guillaume Canet a un peu la réputation d'être un coureur de jupons. Le couple avait la réputation d'être un couple libre. Alors peut-être qu'ils ont atteint leurs limites, sur ce plan-là ouvrez les parenthèses. Et au moment de Rock'n'Roll, en 2017, et la suite des petits mouchoirs, nous finirons ensemble, en 2019, NDLR, ils ont tourné ensemble, et ça ne s'est pas très bien passé, même très mal passé à ce moment-là entre eux. Une émission qui a très bien marché, puisque qu'un nouveau record d'audience est tombé. Ce sont près de 772 000 téléspectateurs qui ont suivi le programme, avec un pic à 1 million. Il y en a un qui aura de quoi fanfaronner lundi 28 mars, dans le prochain numéro de TPMP. And then right.